libération. Nous content, mais nous tapis content si vous pas des gens kidnappés du tout, parce que monsieur Sayo qui mettait vie en danger, non institution côté ou pas même une bonne couverture assurance pour yo bail sécurité à population et puis exposer tête yo comme ça. Et donc nous ouais famille en fait tout ça yo capable, yo te bail $80,000 haïtien et ravisseur yo disait jouer n'a pas joué. Et finalement, on a cotisé, on dirait que on est arrivé à $200,000 et finalement, on a joué une libération et citoyen ça. Inspecteur divisionnaire Séraphin et joigne libération et maintenant deux autres policiers yo annoncé qui étaient kidnappés nous pour connaître qui sac rivé pour yo et puis il y a le cas de Jean Romel Monsignac yo kidnappé jeudi soir. Alors on a parlé de cas spectaculaires connus mais grand pile non que nous tendez que c'est comme ça nous pas gain trop information sur yo donc c'est une industrie qui a fonctionné à plein rendement et malgré toute déclaration d'intention, tout goût et information qui a bail, tout goût déclaration autorité officielle dans l'état a fait depuis fin d'année 2021, kidnapping là a continué. Jean-Romel Moussignac, lui c'est responsable logistique dans Conatel, il a enlevé lui jeudi soir nous apprendre et c'est un ami Kaila que nous parlons depuis quelque temps, c'est vrai, mais j'ai un map deal pour ravisseur Romel pas gain l'argent comme dans des demandé pour Romel la côté pour Romel ta joindre l'argent ça mes amis. Romel pas gain comme ça, Romel son malheureux qu'a fait effort mes amis côté pour joindre l'argent. Moi tendez ravisseur a demandé pour Romel Moussignac et pas gagner volume l'argent si là la. Donc ravisseur si nous pensons que peut-être son gros coup te fait et ben non moi connais am pas comme si titan nous pas well là si ça t'a changé mais ça t'a étonné Romel pas gain volume l'argent que il a demandé pour lire. Voilà, dans l'émission ça aujourd'hui, hein, comme chaque jour d'ailleurs, nous obligés font coup de projecteur sur situation ça qui expose la vie mon en pile, qui fait haïtien peur prend la rue, qui fait haïtien peu en pile puisque c'est chaque jour où tendant volume moun y a kidnappé et c'est ça que fait moi t'ai parlé de attitude irresponsable des autorités qui jouent aujourd'hui à priorité au lieu yo ouais s'il y a maté climat de sécurité ça au lieu yo ouais s'il y a maté et problème grand goût qui a ravagé société à fatra qui envahit toute ville dans région métropolitaine nan t'a dit pays parce que si me dit ça mon port de paix après l'ambre comme si a demandé est-ce que Port-au-Prince batio non plus fatra donc c'est pas ça priorité yo mais c'est élection Jovenel Moïse qui passe instruction pour débloquer tout fonds possible pour conseil électoral organiser élection dans qui pays pour qui monde dans qui ambiance dans qui atmosphère avec qui consensus qui accord calendrier électoral est en sortie conseil électoral mandé pour recruter moun à travers pays à pour venir dans conseil bureau électoral départemental bureau électoral communal EVD évidemment tankou et Éric Jean-Baptiste Dil moi t'ap tandel et président avancé seul li pou kont li et sou chimè sa n'ap tourné sou question si la puisque c'est la société c'est m'tap di les partis politiques en général qui relé en moué qui dit son blague président Jovenel Moïse a bay son blague conseil électoral provisoire bay dans contexte ça dans ambiance dans le climat ça c'est d'ailleurs un président arrivé en fin de mandat président Jovenel Moïse qui était gagné tout à
année ça a passé à pour te organiser plusieurs élections pour te renouveler parlement pour te remplacer l'ulocoyo remplacer cartel le maire il pas jamais fait alors que dans moment mandat fini c'est le ça les gon on danse élections cap brasser dans tête li et mais yo dou il faut être deux pour danser le tango oh Jovenel Moïse pour contre lui la danser tango une fois n'est pas coutume n'a pas un coup de pied dans l'international puisque nous te ouais et t'as cap dit et les États-Unis étaient mobilisés et tout intérêt mondial là intérêt tout monde là non et ça n'a pas appelé le scandale du Capitole avec invasion des fanatiques Trump et dans Capitole côté au tap certifié victoire Joe Biden sont faits sans précédent dans les annales et historiques américaines et donc Donald Trump pratiquement sur la sellette même ses plus proches alliés doutaient de capacité monsieur pour continuer tirer jou crétéo jusqu'au 20 janvier et les démocrates parlent même de possibilité dès lundi pour autant enclencher un processus de destitution de Donald Trump parce que ça a dépassé l'entendement humain un président qui nos élections qui perdu, le monde entier reconnaît les perdus, la société reconnaît les perdus, tout le monde sauf lui-même et ses partisans qui continuaient à dire que vous volez l'élection en amen, souhait et compte Twitter obligé suspendre de manière permanente contre Donald Trump, donc son bagage qui était chargé et n'a pas gardé le speaker de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui est obligé d'y parler avec le chef d'État interim et des États-Unis pour le deal, puisque nous connaissons que le président américain a une possibilité, c'est lui seul qui a un code nucléaire en amène, qui a un droit parce qu'il a une valise, que le président a déplacé tout partout, même côte Avel, et c'est lui-même qui a un code ça là-dedans, et c'est lui-même qui a un droit lancer n'importe guerre nucléaire. On a état Donald Trump là, tout le monde peur pour n'importe qui bagaille pas arriver. Nancy Pelosi dit li parler avec chef l'armée et aux États-Unis pour dire et pour envisager question ça valise ça yo il est le football li déplace avec tout partout son côté le praler tout le monde ont gens peur est-ce que c'est pour un président qui frappé par la démence parce que tout ça l'a fait là pas répondre à quel raisonnement logique tout côté la et essayer contester résultat élection dans les états que le contester yo toujours rétorqué demande ça vous avez dit yo toujours pas prendre en considération Donald Trump toujours continuer il était dit le collège électoral l'a réuni et que il décidé bon laisse à la plier collège électoral réuni il décidé ça pas suffit qu'on y a le mettre le sous compte certification au Congrès et le compté sous vice-président Mike Pence pour le tableau que ça son bail qui est pratiquement impossible pour Mike Pence à faire et ben premier vice-président prend responsabilité il pour occuper Trump et en plus de ça le fanatique Trump était envahi le Capitole il était démarqué de attitude d'arrêt il était dans tout Mike Pence avec un pile difficulté que était évacué de même que les congressmen qui étaient là ont fait sans précédent et FBI a enquêté et vous pensez que enquête ça a déterminé responsabilité Donald Trump dans ça qui passé à ces petits bagages qui pitié en tout cas j'en dis là des démocrates veulent enclencher le processus de destitution de Donald Trump dès lundi des accusations d'inconduite pourraient être déposées
imposée dans la foulée de l'invasion du Capitole, la majorité à la Chambre des représentants des États-Unis préférerait ne pas attendre au 20 janvier pour changer de président. Selon plusieurs médias américains et internationaux, le processus de destitution de Donald Trump pourrait s'enclencher lundi avec le dépôt contre lui d'accusations dans la foulée de l'invasion du Capitole cette semaine, alors que le Congrès était réuni pour certifier l'élection de Joe Biden. Le cas échéant, le vote de destitution pourrait avoir lieu aussitôt que mercredi, d'après l'Associated Press. Le président, le vice-président Mike Pence, prendrait ainsi la place de Donald Trump pour assurer la transition, un bouillon de la mise en accusation rédigée par le représentant David Cicilline et dont CNN a obtenu copie, reproche entre autres au président actuel d'avoir perpétré des crimes et délits graves en incitant ses partisans à s'insurger contre le gouvernement des États-Unis. Certaines personnes demandent pourquoi destituer un président qui n'a plus que quelques jours au pouvoir. La réponse, c'est pour créer un précédent. Il doit être clair qu'aucun président, ni maintenant ni à l'avenir, ne peut mener une insurrection contre le gouvernement. C'est ça, Bernie Sanders, sénateur indépendant du Vermont, a déclaré sur Twitter. Même certains républicains pourraient voter en faveur de la mise en accusation. C'est notamment le cas de la sénatrice de l'Alaska, Lisa Murkowski, qui dans une entrevue à la presse a appelé à son départ de tous ses voeux. Je veux qu'il parte, a-t-elle déclaré. Il a causé assez de dégâts comme ça. Le sénateur du Nebraska, Ben Sasse, est allé dans le même sens vendredi. Il va de soi que je prendrai en considération les articles qui seront déposés au Congrès, car comme je vous l'ai déjà dit, je crois que le président n'a pas respecté son serment d'office, a-t-il déclaré à CBS. Joe Biden, de son côté, laissera au Congrès la responsabilité d'ouvrir ou non une procédure de destitution contre Donald Trump. Interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse à Washington dans le Delaware, le président désigné a clairement fait savoir qu'il n'entendait pas participer directement au processus. Nous allons donc nous concentrer sur notre travail et le Congrès peut décider de la façon de procéder face à Donald Trump, a-t-il dit, tout en jugeant son prédécesseur inapte à gouverner. L'invasion du Capitole par des partisans pro-Trump, dont plusieurs membres de l'extrême droite, a causé la mort de 4 manifestants et un policier, Brian Sicknick, qui a succombé à ses blessures. Jeudi, depuis, 15 personnes ont été inculpées, a annoncé le ministre de la Justice vendredi après-midi. Parmi les émeutiers accusés figure Richard Barnett, l'homme photographié dans le bureau de la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi. Vous notez un exa qui chita croisé pied dans la chambre, dans le bureau Nancy Pelosi, un bel c'est parmi les premiers monde que a arrêté. Un autre prévenu est soupçonné d'avoir déposé une bombe artisanale près du Congrès, a précisé Ken Cole du bureau du procureur fédéral de Washington. Par ailleurs, Donald Trump a annoncé vendredi, ça c'est une information bien importante, qu'il est vendredi sur son compte Twitter qu'il n'assistera pas à la prestation de serment le 20 janvier. Il deviendra ainsi le premier président sortant depuis Andrew Johnson à ne pas assister à l'assermentation de son successeur. Selon une source proche du dossier cité par Reuters, il est même question que Donald Trump quitte Washington la veille pour se rendre dans sa résidence en Floride. Cette décision n'aurait rien d'étonnant compte tenu du fait que Donald Trump répète depuis plusieurs semaines que la victoire lui a été volée et qu'il a été victime d'une vaste fraude électorale. Sa propre administration affirme plutôt que le vote a été juste et libre. M. Trump a toujours
toutefois reconnu jeudi qu'il devait céder sa place sans toutefois nommer ni féliciter Joe Biden pour sa victoire. Le vice-président sortant Mike Pence devrait quant à lui assister à la cérémonie d'assermentation du président désigné le 20 janvier. Donc c'est un président déséquilibré, c'est ça Nancy Cohen. Enfin Nancy Pelosi qui a perdu son ordinateur portable lors de l'invasion au Capitole a déclaré vendredi s'être entretenu, j'en notais Zoulia, avec l'armée américaine afin de s'assurer que Donald Trump, un président déséquilibré, a-t-elle dit, ne puisse utiliser les codes nucléaires d'ici la fin de son mandat. Ce matin, la palais de hier, j'ai parlé avec le chef d'état-major américain Mark Milley pour discuter des précautions à prendre afin d'éviter qu'un président instable ne lance des hostilités militaires ou n'accède au code de lancement et n'ordonne une frappe nucléaire. Joe Biden et Kamala Harris prêteront serment le 20 janvier à midi respectivement comme président et vice-président des États-Unis. Traditionnellement, le président sortant et le président désigné se rendent ensemble au Capitole pour incarner la transition pacifique. La cérémonie très attendue se déroule sur les marches du Congrès devant les pelouses du National Mall. Tous les quatre ans, des centaines de milliers de spectateurs se pressent dans la capitale fédérale américaine pour y assister, mais l'accès sera limité en raison de la pandémie de COVID-19. Pas oublier COVID-19 qui a fait ravage dans le monde, en Europe. Surtout, ils ont découvert un variant britannique qui est encore plus facile à attraper et qui est plus difficile pour traiter tout. Donc, le monde, en pile côté rentré en confinement, gagnant un londonien à Londres britannique, un londonien sous 30 qui a attrapé maladie. C'est vraiment un bagage extraordinaire. Alors, pour nous quitter l'international, pour nous retourner ici, il y a un pile bagage pour nous dire, pour nous parler en Haïti, on nous dit que Joe Biden, plus content que président sortant, dit le pape participer dans la cérémonie. Hein? Et puis d'ailleurs, nous avons déjà imaginé une situation très compliquée. On Trump qui est après le serrer la main à successeur pour le souhaiter le bonne chance, alors qu'il ne l'a jamais appelé, il ne l'a jamais cité non pour le féliciter. Il n'a jamais reconnu sa défaite, il seulement reconnaître et que à bon passation, il reconnaît que le pape l'a le 20 janvier. Donc voilà, et mais ce qu'il faut retenir, et je l'ai dit hier dans l'émission Intersection, malgré les États-Unis ont troublemaker Donald Trump, mais on nous dit que le système n'a été très fort, puisque nous voyons institutions résister à Donald Trump, n'a pas même vice-président pas accédé à Ban Bagay Labdio. Et Mike Pence prend responsabilité. Nous, ouais, malgré ça qui passait dans le Congrès, eh bien, le Congrès a réussi à réunir quand même dans la soirée. Et au matin du jeudi, il a quand même arrivé à certifier Joe Biden comme nouveau président et des États-Unis. Par exemple, dans le CC en Haïti, Jovenel Moïse, te met bien droit à une manifestation pacifique, il a bien droit à les chefs de la police, ou tendre lui écraser la coupe macaque, gaz lacrymogène, mais l'autre bord, bagay yo pas passé comme ça, pas gain à faire parce que c'est président, car il est mounouvelé, toute institution yo en bas pio, ça n'existe pas, et c'est ça quand même qui fait la force de l'Amérique, que nous prenons leçon sous ça. Par exemple, si c'était en Haïti, un président et Trump, il n'est pas prêt à aller. 20 janvier. Eh bien, c'est ça, nous, en Haïti, là, avec Jovenel Moïse, qui dit, mandal, poko fini. Et, c'est en Haïti, ou ap wè gen des démarches, gen série de bagay kap fèt, mais institution yo pa vle pren responsabilité yo. Par exemple, gon conseil électoral provisoire qui monte, j'en nou konnen nan de circonstances illégales, inacceptables, yo pa gon consensus pou li pa même prêté serment par de
devant la Cour de cassation, mais pas gon instance ici. Que la Cour des comptes, que le Cour de cassation cap jamais levé ti doit être libre d'il illégal, décision lui frappé d'illégalité. Non, tout moun retenant ti coin yo qui était Jovenel Moïse a mené tant que c'est lui seul qui seule autorité aux États-Unis ou bien non grande démocratie ça pas t'a fait t'a gagné pouvoir judiciaire là les ont sollicité ou bien pouvoir administratif là les ont sollicité qui t'a dit exactement mais ça la loi dit conseil là pas gain droit à engager l'État il pas gain droit à utiliser fonds publics pays a l'IPC d'ailleurs c'est presque on t'a dit même si nous non situation c'est décret pas gain la loi qu'a prend c'est Jovenel Moïse qui seul mettre à bord mais au moins est-ce que conseil électoral provisoire ça n'a jamais été formé il était obéi à que n'a pas dit précédente disposition que tu gagné pour former un CEP est-ce que tout secteur qui doit désigner mon yo c'est yo là toute question ça c'est des questions que la Cour des comptes que Cour de cassation yo tout te ka répondre avec eux et puis pour dire est-ce qu'on instance comme ça qui pas joindre qu'un accord politique nous ka d'accord pour gaspiller ressources pays a fond bagaille que nous connaît qui sans lendemain puisque pays a pas quoi la donne et puis la jab gagoté et puis tout instance croisé braio tout monde peut Jovenel yo pas dire non pour stopper dans ses dérives c'est ça nous besoin en transition vraiment forte qui ca et bah institution yo force sous monde sous individu sous quel que soit soya dirigeant hier mais pour institution l'elle parler tout monde obligé pas gen moun ki gen doute 20 janvier aux États-Unis a gen Joe Biden sous pouvoir et que Donald Trump pap la mais en Haïti pas gen moun ki ka bay garantie ça va passer 8 février parce que pas gen moun ka jam ou gros instance nan pouvoir ka jam pran chance défier Jovenel y a quitté le marché dans ses dérives et puis qui est capable conséquence là c'est la société c'est le pays. Voilà, et en pile leçon pour nous tirer de ça qui passait aux États-Unis, hein. Même si l'été fait États-Unis passer pour la risée du monde, invasion que fait dans Capitole là, mais ils ont montré quand même la force de l'Amérique avec institutions qui ont commencé à sévir, enquête qui commence à mener. C'est ça, yo, malheureusement, en Haïti, nous pas qu'à joindre, la dame. Alors, j'en tape deal et CPA avancé dans la semaine dans le bail conférence pour l'annoncer calendrier électoral li, et puis pour l'annoncer référendum Jean décret qui était créé là t'es annoncé ça pas penser si monsieur Damio t'es gagné toute couille ça yo pour t'es arrivé jusque là et ben avancé fondation éclairé dit li prend connaissance non sans étonnement du décret du 31 décembre 2020 sur le référendum constitutionnel publié au journal officiel Le Moniteur le 5 janvier 2021, 176e année spéciale numéro 1, ainsi que du calendrier publié 48 heures plus tard par les membres du Conseil électoral provisoire contesté, non autorisé par la Cour de cassation de la République et à engager l'État ni à occuper une si haute fonction publique. La FJKL note que ces initiatives coïncident avec la montée vertigineuse du climat d'insécurité. En effet, les actes d'enlèvement contre rançon, de séquestration, de torture et d'assassinat augmentent dans l'indifférence des autorités étatiques. Pire, des policiers chargés de la sécurité de la population sont enlevés et séquestrés par des gangs armés et la police est incapable d'intervenir pour les libérer. Les cas les plus connus concernent l'inspecteur de police Wilner Séraphin, séquestré depuis le 3 janvier 2021, grâce à Dieu qui libéré, j'en dis là hier soir, moyen
nan rançon famille en bail et puis gain Sanon Ernso Théodore et Vincent Jean-Maxo, deux agents de la police nationale d'Haïti affectés respectivement à Polifront et à la brigade d'intervention motorisée BIM qui sont enlevés et séquestrés le 6 janvier 2021. Toujours à la date du 6 janvier, des membres du gang 400 Maozo que la police prétend avoir démantelé ont enlevé plusieurs personnes à bord d'un bus en provenance du Cap Haïtien. Un policier enlevé et séquestré à la même date par des bandits du gang 400 Maozo a été interrogé par le chef et par le chef de gang recherché par la police, humilié, filmé, obligé d'admettre que la police est un corps arbitraire et la vidéo est depuis postée par des réseaux sociaux. L'inspecteur de police Wilfried Pierre est tué par balle dans la matinée du jeudi 7 janvier 2021 dans la zone de Delma 2. La FJKL se demande comment, dans un tel climat d'insécurité, le pouvoir en place peut prétendre engager seul, avec uniquement ses zélés partisans, un référendum pour formuler, adopter et mettre en œuvre des réformes constitutionnelles sans le peuple et ses représentants en violation des règles strictes et relatives contenues dans la Constitution en vigueur. Et oui, on dit ça, dans la Constitution en vigueur. La FJKL note que la réforme constitutionnelle engagée par le pouvoir politique en place comporte des risques élevés de marginalisation de groupes, de quartiers, de zones ou d'importants segments de la société. Une évidente monopolisation des réformes constitutionnelles par le pouvoir exécutif en place qui agit seul, sans contre-pouvoir et sans consensus politique. Une désaffectation du public à l'égard du processus, une domination supposée du processus par des puissances étrangères et des organisations régionales ou internationales. La FJKL rappelle qu'une constitution peut pour jouir du plus grand degré de légitimité politique possible doit être le fruit de la participation du peuple et de tous les segments de la société et non de référendums scélérats comme ceux du docteur François Duvalier ou du docteur Roger Lafontaine avec plus de 99% de oui connus d'avance. La FJKL défend le principe de l'appropriation par le peuple des réformes constitutionnelles en raison de l'incidence globale de la Constitution sur la vie d'un peuple et des droits fondamentaux, la nécessité pour un peuple de s'entendre sur les valeurs et principes communs de gouvernance inscrits dans une Constitution, l'obligation pour le peuple de consolider, de considérer que la Constitution est née de sa volonté et reflète ses valeurs, ses intérêts et ses principes. La FJKL invite l'exécutif trop décrié par les scandales de corruption, les faits avérés de support aux gangs armés et des actes de répression politique de renoncer à son projet de réforme constitutionnelle afin d'éviter au pays des jours encore plus sombres. Port-au-Prince, 8 janvier 2021. Alors, Jean-Noël, c'est tout organisme droits humains qui a prélé en moué contre le projet Jovenel pour le marché tête baissée. N'ayons à faire constitution, non, et fait élection, alors que tout pays a dit non, son affaire de mandat qui finit quand parler dans moment nous est tout acteur politique qui dit rejeter d'un revers de main, qu'il s'agisse, nous sommes dit tout à l'heure, du principal dirigeant RDNPA, Éric Jean-Baptiste, qui dit que président Jovenel Moïse l'a pralé, l'a pralé rentrer tête li non mur pour contre lui, parce que on dirait que le gars la grosse tête, lui pensait que lui a décidé tout bagaille pour tout pays, alors que il a déjà dit non et non, lui persister et que le qu'a avancé dans voie ça et gagné sa drague Dieu donné de Mokrena qui dit son blague ça le tendait à toute partie politique qui réagit dit son blague calendrier ça y est. Et André Michel dit que son président
qui frappé par la démence, qui pas comprendre réalité et n'a vivre journée aujourd'hui. Et qui a foncé tête baissée. En clair, les réactions sont globalement très négatives question élection. Au contraire, Dakab dit l'opposition invitait population à se ranger en ordre de bataille pour lancer l'assaut final à exactement un mois. C'était 7 février notre latte sorti, à exactement un mois de la date fatidique du 7 février 2021, date à laquelle Jovenel Moïse doit à tout prix quitter le pouvoir. Selon l'opposition politique, le secteur démocratique et populaire fourbit ses armes, motive ses militants et relance la mobilisation dans la perspective de réussir la dernière manche de sa bataille visant à libérer le pays d'un régime corrompu, PHTK, dans une note et daté du 7 février 2021 portant la signature de l'ingénieur Marjorie Michel, ancienne ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, membre actif de l'opposition et porte-parole du secteur démocratique et populaire, d'y réitérer son attachement à la lutte pour la mise en place d'une transition de rupture capable de conduire vers la réalisation d'une conférence nationale haïtienne souveraine, la réalisation des procès de la dilapidation des 4,2 milliards de dollars américains du fonds Petro-Caribé et des autres crimes financiers, les procès des cas avérés de violation de droits humains, entre autres. Dans ce document, l'opposition rappelle à la nécessité qu'il y ait un combo militant et aux citoyens conscients de l'état lamentable du pays à cause du régime au pouvoir de se ranger en ordre de bataille pour lancer l'assaut final contre PHTK, un régime criminel et corrompu selon les constats faits par Gino 7. Et oui, le secteur démocratique et populaire demande à ses sympathisants cadres, militants et dirigeants de se constituer en avant-garde politique pour accompagner la population dans la dernière phase du combat pour chasser Jovenel Moïse, PHTK et leurs alliés du pouvoir. Lit-on dans ce texte, appelant à la poursuite et à l'intensification de la mobilisation pour faire respecter les prescrits des articles 134.2 de la Constitution et 289 du décret électoral du 2 mars 2005, le secteur démocratique et populaire dit n'être et ne sera jamais un réservoir d'ouvriers politiques pour celles et ceux qui ont pillé le pays pendant les 12 dernières années. En conclusion, l'opposition politique dit rejeter toute cohabitation avec le président Jovenel Moïse au pouvoir. Alors c'est toute branche dans l'opposition qui gagne même parole, gagne un regroupement qui gagne, ça cap dit, plusieurs partis qui signent la donne, qui justement demandaient le président Jovenel Moïse pour le faire et pour lui pas faire tête raide par rapport à 7 février et cap arrivé là, qui gagnait plusieurs tendances politiques qui signent en dans notre Sahara, côté joindre et par exemple Jean Danton Lézé, etc., ou joindre Antoine Augustin, non déclaration tête ensemble que yo sorti mardi 5 janvier, yo dit dernier temps ça yo situation générale pays a vini pi en vlimen. Chaque jour qui a passé, nous vivions un paquet d'événements qui révoltaient la conscience nationale. Le pouvoir PHTK a continué à appliquer une politique violente, systématique, contre le peuple, assassinat, tribobabo, vol, viol, timoun, jeune moun, grand moun, même moun. Qui handicapé, phénomène corruption, vin pirette, constitution malachon, y a préparé un pile décret tête en bas, yo piay ressources pays a continué fait gang pouvoir sous tout
toute forme gaye dans tout pays a kidnapping chaque jour sous toute catégorie moun, même policier pa épargné en pile moun pèl a ria tant qu'on dans caillou. C'est une situation désolation pour peuple haïtien devant toute calamité sa yo. Regroupement, groupement, parti politique, mouvement social, organisation populaire, organisation société civile ak personnalité engagée qui gen racine yo ma connaît ak peuple la comprendre nécessité historique pour porter une réponse organisé dans construction bataille libération. Pour sa fête, nous devons baisser tête nos outils qui nécessaires pour orienter lutte là et puis bâtir et action sociale et politique solide pour masse peuple là arriver ramasser destin. Lutte ça mandé en pile sacrifice intelligence, femme et garçon qui gagne volonté. Peut-être ça, nous-mêmes signataires, déclaration tête ensemble, non, ça a qui était réuni dans une assemblée extraordinaire, jour mardi 5 janvier 2021, nous conscients tout impact négatif, mauvais gouvernance pays à sous société à, comme ça nous décider mettre tête nous ensemble pour agir vite et puis bien à tout l'autre groupe organisé jour que nous capoter pouvoir l'intéresser et puis arriver changer pays à dans bonne direction. Nous encourager tout acteur politique et social qui prend initiative dans rassembler force pour créer unité tout bon vrai pour nous arriver camper bien jam bataille libération nationale là. Nous engager nous jodi encore dans un document synthèse qui rassemble plusieurs propositions pour nous tabler à tout l'autre secteur. Une gouvernance transition campé fâché. Dans ce sens, nous appuyer démarche cérémonie déclaration 21 août 2021. Et depuis qu'il est arrivé 7 février 2021, date finissement mandat constitutionnel, président Jovenel Moïse nous décrété activité en permanence pendant n'a concerté avec tout l'autre secteur pour engager société à jour que nous river Kaba pour voir l'intérêt PHT Kaba nan n'a continué avec toute l'autre force sociale politique religieux mouvement social organisation populaire et latrier pour nous créer dans bataille la unité historique peuple haïtien ensemble n'a privé changer ça. Alors structure personnalité organisation signée gain Joseph Manes Louis Kadoa gain Alexandre Gerda et Benjamin ancien député Savanette Kadoa tout et Beauplan Evalière qui Mola gain Bruna Wilkinson Mola aussi gain Schiller Louis d'Or personnalité politique gain mes alliés Stanley parti politique indigène gain Serge Jean-Louis et gain FND gain Garnier et Vickerson, ancien député FND tout, gagné Dr. Louis Gérald Gilles qui signe FND, gagné bien-aimé A. Rodon, ancien député Entente nationale et qui signe gagné sénateur, ancien sénateur Kelly Sébastien qui signe nan nom Combite régional pour une alternative nord. Ancien député Hugues Célestin, initiative patriote marien. Bien-aimé Jean-Baptiste, initiative patriote marien. Tout. Antoine Augustin, mouvement des travailleurs et citoyens. Gagné Baron Dougé, mouvement des travailleurs et citoyens. Jean-Baptiste Caleb, bloc avocat engagé. Yvon Joseph Feuillet, opposition sud, gagne Sinal Bertrand, opposition sud, civil René, émergence patriotique, gagne Jean Danton Léger, responsable de la région des Palmes, gagne Deus Deronette, élan démocratique pour majorité à tout le monde qui signe en dans notre mété et tête ensemble ça.
pour yo dénoncer et dérive yo et rappeler président Jovenel Moïse que mandal bel et bien fini 7 février 2021. Et puis noter vive situation eux de la joie expulsé d'une propriété illégalement occupée à Belleville et gagné sous question ça, donc il était occupé par le directeur du SNGRS de la Joie, la maison de Madame Mauviette Apollon Germain à Belleville, qui lui a été restituée par la justice le lundi 4 janvier 2021. Le ministre et nous autres, le juge de paix, la police, avons rétabli la dame dans son domicile, dans la jouissance de son bien. C'est son bien à confier au journal Le Nouvelliste, le substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Claude Bedford. Oui, il y aura des poursuites parce que le ministre de la Justice a demandé à la dame de porter plainte au parquet pour les suites, a poursuivi le substitut, soulignant que l'intéressé ne s'est pas encore rendu à cet effet au parquet. Pour poursuivre, il faut une plainte, il faut qu'elle dénonce des gens. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de dénonciation formelle. Une fois qu'elle dépose une plainte, nous prendrons toutes les dispositions qui s'imposent. Nous appliquons la loi, a assuré le substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Claude Bedford, et la propriétaire Mauviette Apollon Germain, interrogée par le journal, s'est réjouie d'avoir recouvré la jouissance de son bien. Je suis contente de retrouver mon bien. J'ai travaillé dur pour faire ce bien, a-t-elle ajouté, soulignant n'avoir aucun lien généralement quelconque avec M. Lajoie. Pour le moment, je ne peux rien dire sur ce sujet parce que je dois d'abord discuter avec mon mari pour savoir quelle décision prendre, a répondu Mauviette Apollon Germain. Au moment d'effectuer le constat légal, le juge de paix de Pétionville, Carl-Henri Destin, a retrouvé sur les lieux deux policiers placés dans cette maison par Eudes Lajoie. La maison avait des meubles, la photo de mariage de la dame était accrochée à un pan de mur, c'est ça, juge de paix a été rapporté. Donc, sous question et si là, Gayen est le responsable du RNDDH, Pierre Espérance, qui a estimé que M. Lajoie devrait être révoqué et poursuivi par la justice. Il doit être révoqué et poursuivi sans sanction. Les autorités de nomination cautionnent cet acte, a estimé Pierre Espérance, qui a dénoncé les proportions scandaleuses prises par les vols de terrain et de maison par des politiques, des gens de pouvoir, des autorités de la justice, de la police. Cette mafia fonctionne mal. Plein régime depuis 2011, s'est indigné Pierre Espérance. Donc, sous question, si là, et puis gagné et sénateur Patrice Dumont qui gonlait tout l'ouvri à la nation et qu'elle te voyait jour justement qui était 7 janvier 2021, qui c'est yon mois jour pour jour avant 7 février 2021, et tout l'ouvri à peuple haïtien, honneur, respect compatriote, c'est moi-même sénateur Patrice Dumont, na occasion année tout neuf 2021. Moi écrit nous ti lettre si là à compatriote parmi eux, selon constitution des Salines 20 mai 1805, Haïti et c'est on l'état, la liberté, esclavage sera c'est nous c'est frère accès égal égaux devant la loi, trois os d'effet, liberté, égalité, fraternité, c'est devise nationale nous, c'est souyo chaudier national la chita pour nous régler les affaires nous ensemble, pour nous cuite manger nous, qui nous saio petit Toussaint Dessalines Christophe mélangé avec Papé Tiongoye Jeffra mette souci la yo arabe allemand juif italien polonais français et latrier qui te naturalisé haïtien, c'est nous même tout pi plus yo pi petit nèg marron ti nèg prière sans souci comment et kakapoul tout si la yo kap vive nan mon andeyo ou bien nan bidonville ghetto, c'est nous tout haïtien diaspora, ti pile gros pile dans le monde entier, nous
tout ça yo, nous ce peuple haïtien, nous tout ça yo qui connaît, si Jovenel rete, si Jovenel Moïse rete dans le palais après minuit 7 février 2021, ça, c'est rebelle contre la loi liée. Roche dit Philippe Blavle dit Haïti souverain, li grand moun tête li, destin nan men, ça veut dire chaque moun nan pays a fait ça li del dil nan cadre activité privée ak social li selon la loi, non pas esclave encore, Roche dit fait égal, égo, avle dit pas gain et passeport qui nan service public yo, Roche dit fait a, mette nou nan yon seul côte famille pour affaire nous régler nan justice sociale, sa papa de Saline dit yo, nous continuer écrire nos constitutions, est-ce que nous faisons? Non, dit tout pas, si tout pas dans madame Jovenel Moïse là, qui a fini 7 février 2021, écrit entre autres sénateur Patrice Dumont, qui conclut et lettre là pour le dire peuple haïtien gain causé pas gain temps fonal bousquer la vie pas décourager changer belle parole historien Claude Moïse là peuple cap goumen ak la vie nan mauvais condition a jour le jour pas ka nan fait broder dit li décourager en 2021 on fait premier pas pour révolution cap sauver pays à 7 février 2021 contrat et temps constitutionnel 2016-2021 fini en fait seulement pour nous vivre libre égal égo en songe Jésus nous chaque doué remet l'autre même Jean et moi même Jésus moi remet nous remet ça c'est reconnaître droit l'autre pour le vivre c'est mettre conditions pour le travail comme monde pas tant qu'ou bête pour le vivre bien. Moi, toujours dit, personne pas jamais riche pour compte lui. Si on mettait Donald Trump avec Bill Gates pour compte yo, on a des Sahara, y a pauvre, tout reste vieux, tant qu'ou roche dans le soleil. C'est dans la coopération, l'homme cap vivre, c'est dans la coopération pour tout le monde joindre pas yo. L'État révolution, pas yon l'État des classes, li doué yon l'État national, cap défendre toute catégorie selon ça. Activité sociale yo besoin. Honneur respect compatriotes n'a toujours bonne année quand même 2021 oui 7 février pied pour pied et sénateur Patrice Dumont qui dit pas gain route pas bois et 7 février 2021 faut que Jovenel Moïse et faut que li racher Mayotte ba été à blanc c'est pas demande y a fait c'est constitution qui mandé si là. Voilà, nous avons observé pause là, nous remercions l'invité qui fait sacrifice et arrivé bonheur et nous demandons l'autre pour faire même genre pour nous démarrer tout de suite émission ramassée pour jeudi 9 janvier qui c'est première sortie émission ramassée pour année si là et puis nous pas aller sans nous pas faire un clin d'œil à nos compatriotes de la diaspora qui organisaient pour le 15 janvier là un petit peu partout dans le monde là côté qui gagne haïtien y a val mobiliser contre insécurité contre kidnapping et puis tout mandé Jovenel Moïse 7 février 2021 pour yo et quitter ça selon sa constitution mandé. Merci Lorenzo qui n'a pas observé pour cela n'a pas tourné.